Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve en Lozère, dans une petite forêt à côté de Sainte-Eulalie. C'est un tout nouveau concept, ça s'appelle In Nature. Et en gros, je pars dans une petite forêt où je pars à un petit endroit. Et dans cette zone, je vais essayer de trouver un maximum de plantes, de faune, de flore. Et je vais tout simplement essayer de les identifier. Avec ça, j'ai amené un petit guide, je me suis pris un petit kit de la forêt, voilà, hop, comme ça. Et je vais essayer de voir quelle espèce d'arbre c'est, quelle espèce de papillon c'est. Voilà, c'est une petite vidéo chill dans la forêt avec vous. Et puis voilà, moi je vous propose de commencer, c'est parti. Alors, ce que j'aime vraiment ici, c'est que, écoutez, là, je fais plus aucun bruit. Ah oh ouais, c'est ultra reposant. C'est vraiment, c'est incroyable. Je viens ici depuis que je suis tout petit pour me ressourcer et franchement à chaque fois que je viens ici c'est un bonheur fou parce que là je me retrouve au contact de la nature. Je suis bien, il y a un bon air, l'air il est frais, il fait pas trop chaud. Franchement je me régale, c'est incroyable. Bon je vous préviens tout de suite, je ne pense pas qu'on va avoir des biches, des sangliers ou des trucs comme ça parce que je fais déjà pas mal de bruit. Ici il y en a quelques-unes dans ce spot là mais c'est pas énorme. Du coup on aura très peu de chance. Par contre si on en trouve tant mieux, hein. Moi je serais content. Mais voilà, c'est plus une petite vidéo tranquille pour essayer de voir un peu la faune, la flore et essayer d'apprendre avec vous. C'est aussi un peu le but de ce format, c'est que je suis encore amateur dans ce que je fais et je veux vraiment apprendre un maximum de choses sur les espèces végétales et animales. Alors déjà ici il y a beaucoup de hêtres, pas mal de petits arbres comme ça. Là-bas il y a des pins sylvestres aussi, il y en a beaucoup ici. Après là-bas, je sais pas si vous voyez mais il y a des plants de myrtilles. Mais là vu que c'est ultra sec, franchement j'en ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment des toutes petites, on va essayer d'aller voir. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y en a un tout petit peu là-bas. Mais c'est très minime, là regardez, ici. Là, vous voyez, il y en a un tout petit peu et encore elles sont toutes sèches. Ça a l'air pas super bon quoi. J'ai connu des étés avec beaucoup plus de myrtilles et pas des paysages autant secs. C'est fou comme le réchauffement climatique, il agit sur rien que sur la forêt. Tu le vois, c'est tout sec, avant c'était beaucoup humide, là c'est très sec, c'est pas fou quoi. Alors ça c'est une plante que je ne connais pas, donc je vais regarder ce que c'est de ce pas. Parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est vachement joli. Regardez, ça a vraiment des petits tons violets, roses, c'est trop trop beau. Ok, je viens de regarder ce que c'est du coup, ça s'appelle de la calune. La calune est un sous-arbrisseau vivace, sempervirent, seul représentant du genre Caluna. Elle est parfois considérée comme une bruyère, d'accord, c'est de la bruyère en fait. C'est la fleur nationale de la Norvège, cette plante est parfois appelée Beruée, Brande, Bruyère commune, Bucane, Fausse bruyère. Et son nom scientifique du coup c'est Caluna vulgaris, et sa classification supérieure c'est Calune, ok, d'accord. Bon voilà, première plante apprise, c'est parti, petite bruyère, Calune, magnifique. Et du coup là il y en a partout. Quand ça monte là-haut, là, c'est trop trop beau, c'est incroyable. Oh là-bas, oh, une petite fleur violette aussi. Oh, je vais aller voir de ce pas, qu'est-ce que c'est? Elle est trop trop belle la fleur. C'est fou parce que je viens ici depuis tout petit, mais j'ai jamais vraiment fait attention à la faune et la flore. Du coup là, maintenant que je m'intéresse, c'est incroyable. J'ai loupé tellement de belles choses en vrai, c'est fou. Alors du coup, cette petite fleur, c'est un œillet de séguier. L'œillet de séguier est une espèce de plante herbacée vivace de la famille des Caryophyllacées. Et son nom scientifique, c'est Dianthus sylvaticus. Et franchement, c'est une belle plante. Hein. Voilà aussi, le but de ce format, c'est pas de faire une grosse vidéo. C'est vraiment de faire des petites vidéos de 5-10 minutes grand maximum pour que vous puissiez apprendre avec moi des petites espèces. Là franchement, déjà, on en a trouvé deux en l'espace de quelques secondes. Donc franchement, je pense que ça va passer assez vite. Mais voilà, moi franchement, ça me fait kiffer d'apprendre avec vous. Et en plus, dans cette belle nature, regardez-moi ça. Moi là, je suis au paradis. Franchement, la Lozère, c'est une région que j'affectionne vraiment particulièrement. Regardez aussi là-bas, vous voyez les grandes forêts. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, prochaine espèce que j'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Hop, c'est cette espèce de plante là. Il y en a vraiment partout en Lozère. Et du coup, j'ai bien envie de savoir ce que c'est. On va voir ça tout de suite. Alors c'est une plante qui fait des fleurs en printemps et c'est des fleurs jaunes et du coup t'en vois vraiment partout en Lozère et c'est trop beau. Je pense savoir que c'est ça. C'est un spartier à tige de jonc. Allez, on va se poser un peu tranquillou. Alors le spartier à tige de jonc ou spartier est une espèce d'arbuste de la famille des Fabaceae. C'est la seule espèce encore acceptée dans le genre Spartium. Il est parfois appelé faux genêt d'Espagne ou encore genêtre. Et son nom scientifique, ouais bon moi par contre je suis quelqu'un, j'adore les noms scientifiques, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois j'ai plus envie de retenir le nom scientifique que le nom français. Donc là c'est un Spartium jonqueum. Bon voilà, c'est ultra intéressant franchement. Là de te balader, tu regardes un peu sur ton petit carnet ou même sur ton téléphone, tu essaies de regarder un peu, de faire des recherches et tout. Et franchement c'est trop bien, ça repose de fou en plus, ça change les idées un peu, franchement c'est cool. Bon pour l'instant j'ai trouvé que des espèces de fleurs, donc ça serait cool quand même de trouver au moins une ou deux espèces de petites abeilles ou d'insectes volants ou d'insectes rampants, peu importe. Ça serait cool d'en trouver un ou deux, je vais essayer de chercher un peu, je vais voir. Sur le chemin regardez aussi, je trouve beaucoup de branches avec du lichen.
C'est une espèce de petite mousse, hop, un peu blanche comme ça. Il y en a vraiment partout ici. Regardez, je viens de tomber sur une toile d'araignée de fou. Je ne saurais pas quelle espèce d'araignée fait ça en fait. C'est une espèce de gros chausson. Je sais qu'il y a une mygale forestière dans les forêts tempérées qui fait une espèce de toile en chausson. Mais je crois pas que ça soit ça. Hein. Je vais essayer de regarder si elle est pas dedans. Moi j'ai regardé un peu, je vois rien du tout. Je vais essayer de me renseigner un peu sur internet pour voir ce que je peux trouver. Bon bah j'ai rien trouvé sur internet. J'ai essayé de regarder les espèces qui font un peu des toiles d'araignée de ce genre. Mais j'ai pas du tout trouvé d'espèces qui pourraient s'identifier à ça. Donc si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, parce que c'est aussi une vidéo qui est dédiée à ça. Le but final c'est que moi j'apprenne et que vous appreniez aussi en même temps que moi. Donc voilà, si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas. Je viens de voir une grosse sauterelle qui vient de sauter. Je sais pas où elle est. T'es où, Titine? Elle est là. Elle est là. Je vais essayer de voir ce que c'est comme espèce. Ok, je viens de trouver l'espèce. Je pense que c'est ça. C'est une Trimerotropis pallidipennis. Oh bah d'accord, yes. Donc ça serait une sauterelle aux ailes pâles. Ils expliquent que c'est une sauterelle commune de la famille des Acridiidae et qui est originaire d'Amérique. Donc je sais pas du tout si ça pourrait être ça. Mais vu qu'elle ressemble morphologiquement à cette petite sauterelle, je pense que ça doit être ça. Si encore une fois quelqu'un pense savoir quelle espèce c'est, qu'il le dise en commentaire et si j'ai raison ou pas. Parce que je peux me tromper du coup, parce que j'apprends en même temps que vous. Et du coup voilà, petite sauterelle. Donc on aura fait notre premier insecte. C'est magnifique pour la vidéo, c'est parfait. J'ai quitté le chemin pour retourner dans la forêt. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas une petite espèce d'arbre ou une petite espèce de plante qui pourrait être intéressant. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des êtres, donc rien de fou. J'aime beaucoup aussi là-bas, il y a plein de petites mousses comme ça. D'ailleurs, je vais regarder ce que c'est comme espèce, parce que vu que je sais qu'il y a plusieurs sortes de mousses ici, je vais voir laquelle c'est celle-là. Ok, alors cette mousse, c'est de la Leucobrium glaucum. Ouais, je pense que c'est un peu la mousse classique qu'on voit un peu partout. Donc la Leucobrium glaucum est une espèce de plante bryophyte commune dans les forêts acidiphiles. Elle est utilisée comme mousse décorative. Ouais, voilà, c'est celle-là qu'on utilise souvent pour les petites décorations, même pour les terrariums et tout. Ça fait un aspect vachement naturel et c'est vachement beau. Depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher des petites espèces de champignons, mais je n'en vois pas du tout. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de girolles et de cèpes, mais je ne vois rien du tout. Pourtant, je marche pas mal et il n'y a pas grand-chose. Par contre, j'aimerais beaucoup essayer de choper une espèce d'araignée pour voir un peu s'il y en a. Parce que depuis tout à l'heure, je me prends que des toiles d'araignée dans la tronche. Ah mais regardez là, oh parfait! Oh, il y en a une! Magnifique! Regardez, je sais pas si vous la voyez. Ouais, non, si vous la voyez trop mal. Ah, dommage. Je vais essayer de vous faire un plan et je vais essayer de trouver ce que c'est comme espèce. Oh, c'est parfait! Ça y est, je suis trop content, je viens de trouver ce que c'est. C'est une Eperdiadème. Donc, son nom scientifique, c'est une Araneus diadematus. C'est une espèce d'araignée aranémorphe de la famille des Araneidae. Très commune en Europe et en Amérique du Nord, elle est parfois appelée araignée des jardins ou araignée porte-croix. C'est vrai qu'elle a pas mal de petits motifs sur son dos et c'est vachement joli d'ailleurs. Regardez, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Sur la feuille, il y a une espèce de bulbe et en fait, apparemment, c'est la gale de l'arbre. Et dedans, du coup, il y a un petit insecte, un petit asticot plus précisément. Et quand la feuille elle tombe en automne, et bien le petit ver il sort de la graine et après il mange toute la feuille. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas c'était vraiment trop bien d'essayer de chercher la faune et la flore pour en apprendre un peu plus écoutez, sur le monde qui m'entoure. C'est une première vidéo d'une longue série du format miniature, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, peut-être qu'un jour je trouverai un cerf, peut-être un sanglier, qui sait, je ne sais pas. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, je fais des petits posts et des stories sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.